Ta copine va très bien. On est là, le combat continue. Il faut que le pays la bouge. Cette fois-ci, le bâton là, on va nettoyer. Il faut qu'on nettoie ton pays comme la Guinée là. Il faut qu'on nettoie le bateau qui est là-bas là. Toutes les pièces vont être changées. Nouveaux pièces pour que ça démarre. Donc il faut partager. Il faut partager les gens qui sont là à mettre les gens qui ont mis les vieux pièces là pour ne pas que cette bateau là bouge. On va dire le nom de tous les pièces gâtées là pour que les nouvelles pièces là puissent changer. Donc partagez. Il faut que cette fois-ci là ça bouge. La famille, j'espère que vous allez bien. Bientôt le carême. Bon carême à vous, les bons musulmans, hein, les bons. Parce que il y a les faux dedans là. C'est seulement le carême que tu les vois. Après le carême là, non. Même quand tu rencontres avec eux, tu ne vas pas croire que si ils sont musulmans. Donc, les bons musulmans, bon carême à vous. Donc, partagez, partagez s'il vous plaît. L'affaire de la Guinée là, on doit en parler matin, midi, soir. Il est temps pour que ça change. Ça change bien. On doit faire comprendre à nos parents là que vous avez pris l'argent avec les menteurs. Ils vous ont promis des années. À chaque fois qu'ils viennent, ils vous promettent seulement. Une fois à la tête, on ne vous donne pas ce que on vous a dit. Donc, il faut que vous allez ouvrir les yeux maintenant pour les personnes qui peuvent dire oui. Qui peuvent dire oui à un bon travail. Donc, c'est ça. Moi, je suis là à vous dire, ne prends pas l'argent avec des partis que vous les connaissez. Que vous les connaissez depuis le début. Parce que on dit quelque chose de malheur t'arrive une seule fois ou deux fois, mais pas trois fois maintenant. Donc, s'il vous plaît, ouvrez vos yeux cette fois-ci là. Ouvrez vos yeux cette fois-ci là. C'est ça que moi je peux vous dire matin, midi, soir. Un parti qui est là juste pour s'enrichir, vous devrez dire non à ces partis. C'est ça qui est la vérité. Vous devrez dire non à ces partis. On vous a donné l'argent là pour vous donner des promesses. Vos enfants sont assis. Ils n'ont même pas l'argent pour nourrir leurs femmes. Parce qu'ils ne travaillent pas. Parce qu'ils ne travaillent pas. Quand un pays comme la Guinée, beaucoup de personnes sont assises à la maison. Rien ne marche. Si tu ne cries pas, si tu ne te rends pas folle là, ou bien fou, on ne peut pas te prendre pour te mettre quelque part. Un pays comme ça là. On a des ministres qui chôment, qui sont à la maison. On a des députés qui chôment, qui sont à la maison. On a des personnes qui ont étudié comme ça, là. Leurs parents les ont fait sortir pour venir étudier par là. Ils sont aujourd'hui au pays. D'autres même ont préféré rester par là. Parce que quand ils rentrent, rien n'est réglé là-bas. Vous-même, vous êtes là en train de voir la situation. Si vous allez rester assis encore pour suivre un parti qui est venu vous mettre à terre, il va prendre encore l'argent là pour vous donner
et que vous allez accepter ça. Donc, soyez intelligent cette fois-ci. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Même si tu n'aimes pas quelqu'un, si tu sais que c'est quelqu'un qui travaille bien, il faut accepter ça. C'est ça qui est la vérité. Il faut accepter ça parce que le travail qu'il va faire là, ça va t'aider, ça va aider tes enfants demain ou bien tes petits-enfants demain. Tu dois mettre ça dans ta tête. L'argent qu'on passe pour vous donner là, vous avez ça aujourd'hui, ça a changé votre vie, c'est seulement un petit moment. Après ça, c'est fini. Après ça, c'est fini la famille. De Conakry jusqu'à Lola, tout ce que je peux vous dire, ouvrez vos yeux là cette fois-ci. Il ne faut pas qu'on laisse la Guinée maintenant dans les mains des personnes qui ne sont pas là pour développer le pays. Il ne faut pas qu'on laisse la Guinée dans la main des personnes qui ne peuvent pas nous faire avancer. C'est ça qui est la vérité, la famille. Ouvrez vos yeux là. Ouvrez vos yeux là cette fois-ci. C'est tout ce que moi je peux vous dire matin, midi, soir. La Guinée, c'est une famille. La souffrance qui est dedans aujourd'hui, c'est tout le monde qui prend. Pourquoi on ne peut pas se donner la main? Pour travailler ensemble. On est là, on suit des sauges qui ne nous avancent pas. On suit les sauges qui ne nous donnent absolument rien. Si ce n'est pas la souffrance. Si ce n'est pas la souffrance. On regarde des personnes qui viennent mettre le pays là, qui viennent souffonner le pays là comme ça, là, comme rien n'était. C'est pourquoi, quand Alpha Condé et ses groupes là étaient là-bas, ils faisaient ce qu'ils veulent de nous. Parce que eux-mêmes, ils sont là à rire sur nous. Comme si, regarde-moi regarde-moi les gens là. Parce que quelqu'un qui est venu vous accepter, vous mentir. Si tu laisses l'intéressé s'asseoir là-bas, il ne va pas te considérer. Il ne va pas te considérer. Mais si tu refuses l'argent là, et que tu lui dis que j'aime mon pays plus que l'argent là, je veux quelqu'un de bien. Je sais que toi, tu n'es pas capable d'avancer ce pays là. Vous, qu'on vous donne l'argent là aujourd'hui, et que vous êtes là à corrompre les autres, c'est pour votre intérêt seulement. Une fois là-bas, demain même, ils ne vont même pas vous dire ce que... Ils ne vont même pas vous faire ce qu'ils ont proposé. Ou bien l'argent qu'on vous a donné, c'est tout. Après ça, c'est fini. Après ça, c'est fini. Ce qu'on va vous proposer là, on ne va même pas vous donner ça. On va vous souffonner comme ça, là, comme rien n'était. Et après, c'est les personnes là que tu vas les revoir maintenant. Parce qu'ils sont énervés. Ce qu'on les a proposé, on ne les a pas fait ça. Après, maintenant, tu les revois sortir en train de dire les secrets. Nous, on n'est pas là pour ça cette fois-ci. Colonel Doumbouya, tout ce que moi, je peux te dire. Matin, midi, soir. Tout ce que moi, je peux te dire. Ce qui s'est passé au temps de Alpha Condé, je ne veux pas que ça se répète. La Guinée, c'est pour nous tous. Je ne veux pas que ça se répète. On n'est pas dans ce monde-là. On n'est pas dans ce monde-là maintenant. L'affaire de l'Ukraine, là, c'est soulevé ici.
Avant, c'est les gens qui partaient faire combat par là-bas. Notre génération, la personne n'a le temps de faire Première Guerre mondiale ou bien Deuxième Guerre mondiale. Les générations là n'ont pas le temps pour ça. Même c'est les Blancs ici. L'affaire de l'Ukraine là, même les Blancs même sortaient pour faire comédie dans ça. Parce que tout le monde veut la paix du cœur. Tout le monde veut. Qui veut faire palabre? Tout le monde veut la paix du cœur. Le matin, tu sors, tu pars faire ton petit boulot. Tu viens dans ta petite famille. Vous êtes là tranquillement. C'est ça la vie. Qui a la force d'aller faire comme les Troisième Guerre mondiale qui passait à l'époque? Personne n'a le temps de ça. Donc notre génération là, on veut la paix du cœur. On veut travailler. On veut que notre pays soit dans la paix. C'est ça qu'on veut. Donc corrigez-vous. Il faut t'élever, colonel Doumbouya. Tu vas dire la vérité. Hé! Tu n'as pas eu signé, ou tu n'as signé, fin que mentor. Ou tu n'as pas eu la signé, ya tigné là. C'est ça qui est la vérité. Il faut dire la vérité à ton chose, comment dirais-je, à ton voisin. Pour qu'il sache que ce qu'il est en train de faire là, c'est pas bon. Ça doit être changé. Tant que tu ne corriges pas les autres, ça va se répéter. Ça va se répéter. C'est ça que nous, on ne veut pas maintenant. C'est ça que nous, on ne veut pas. On veut que le pays là, les lois soient respectées. Ça, c'est un. Les lois soient respectées. Il n'y a pas à faire des parenthèses dans ça. Il n'y a pas à dire que je connais, c'est comme ça. Non. Dans les autres pays, là, la loi, c'est la loi. Tu fais quelque chose qui n'est pas bon. Si c'est 3 mois que tu dois faire, les Guinéens même connaissent ça. Ceux qui sont par là, là, ils connaissent ça. Pourquoi c'est nous seulement on met pagaille? Et pourtant, c'est les autres ici là. C'est beaucoup bas que même à la bas, il va mériter l'air respecté. Au Bérolé, c'est beaucoup de maya. Ils respectent ça. Ils sont là-bas. Quand Guinéen a problème de papier ici là, l'air même va lui trouver là-bas. Si c'est 8 heures, il va être là-bas 7 heures ou bien 6 heures. Mais c'est nous. C'est pour dire que ah, c'est l'ami de mon frère qui est directeur là-bas. Je vais gâter. Et puis quand on arrive là-bas, rien ne va sortir dedans. Il faut que tout ça là, ça change. On ne veut pas ça. Les lois ne sont pas respectées. Chacun fait ce qu'il veut. C'est pourquoi le pays est à terre comme ça. C'est pourquoi le pays est en terre. Donc, il faut que tu corriges là-bas avant de partir. Il faut corriger les choses là avant de partir. Colonel Doumbouya. Tu dois corriger les choses là avant de partir. Les lois soient respectées. Pour que les gens qui vont venir, ils vont commencer à travailler très bien. Ils vont commencer à travailler très bien. Parce que si tu vois que à chaque génération vient, il fait comme il veut, c'est parce que rien n'est respecté chez nous. Rien. Quelqu'un peut venir détourner l'argent comme ça, là, aller s'asseoir quelque part. Rien ne va sortir dedans. Beaucoup de projets sont arrêtés en Guinée là-bas. Dès qu'on commence, ça ne se termine pas.
on mange le reste de l'argent, rien ne sort dedans. Parce que on ne les contrôle pas, il n'y a pas loi, ni rien. Il faut que tu montres à les Guinéens que la loi doit être respectée. Et les gens qui sont sales là, il ne faut même pas qu'on les voit à la tête de quelque chose. Qu'est-ce que tu vas venir nous dire? Qu'est-ce que tu vas venir nous dire? Et qu'on va t'écouter. Donc la famille, tout ce que moi je peux vous dire, ouvrez vos yeux là. Balenga kakanyinabo po kakanyinabo panel anele yiga bonga muka. Kakalo hen beti da pangwalunga. Dama da kolo mwemeti. En plebo wolo meninge kala. En bati men plebo gala. Da palo dun nebo dun walunga te nuwa po apre dalu. Kaka hen beti sef de katienga. Da pa dun wal kaneti hege de deka po kahula duplu. Ya kake ya hege jal kole kapa. Ka halke konakle. Kapa monome ble. Ngo veka ye. Fui. Jal ko la ta kan ka ti la kle mo vo ke na kle ka ka nyi na bo ne ra nan ka ka nyi na bo ye ne nyi na bo po kle po po ye da ke mal ka ho le lo nge he ni ka ka ko la ge me ka go bo lo du mu lo ye di e be mu ma ne men kle e ka di ye nya ka go mu ga ka go ho a Forese a la kol ka po mona hu e men kolonga die be ka go munju me le men ba ka ka lo pu ka ka nyina bo ne da nan ne la wonge ke ayo yi nga pol mo mo ka kbun da holo ne la wonge ke ka ho ka po le nta lo pe yi la ho pa mwa le nga ti da de ka po kwa ka lo ni do to ko he kle mette le cœur la famille parce que les gens là n'aiment pas qu'on dit la vérité et nous on va dire la vérité. Mettez les cœurs parce que ils veulent pas que je parle. Moi, je vais faire comprendre à mes parents que vous les tournez comme ça là. Trop, c'est trop maintenant. Il faut que tout ça s'arrête. Donc, quand vous êtes là, do pas on do wali yinga haga do de kapo. Kaloni hiye do kolokei da monokeneti me dakbe anakol. Kam mo nokeneti me du mu ka danga te wile bo da pa da la kul ka da pna du pu globoma ni ani ya ba danga ye do mu poli di ni anu konoge han mo hukulo tamalo marias pelanga mu mo hukulo tamalo parce que hulona ka pelang ho no ho kulwe mentama kati atela ni anga lo bekele du po marienga dia dulu ni konoga damaka lo yiru hukli parce que le man ba kolo hoka gupol hein da hel ne hege ba kolo honye ngonu aka obligé de nen takol de debo ou bien namu walka mamu da yebla akolo ma to mpa ku mono mege ba ku kwot na kpata ma neni akolo mono keneti hu ya ba ama wo lo kleto ejila mail Anoni mail awaka ke ahulo ne lele na maka ke amale hein mani danga dakala kle ma hna nga tanga ka de ka obligé de duhula mal nam tanga pu de pol duloni konoge de pol de nian konoge ou bien da ni atile la eli hepel takpen kle kulo akalwe yirnga tanga ko rahama mais kolo ho loi mani ngo hukulo nga tamala ya kati mani man nyongo nga da tamaka ko pota ya nga ya kati donc ka ka nyina bo po cette fois-ci ka ho la guiné len talo paye ni yi apa kwa kolo leleka ka pol mane ka ko vote nba ni aka ka go loi pata société nga lo mouvement nga de kala noa de lelo kulo eto la bangé du ho foi lo pekal da kaloni pa kayé da monopole kamé
manam nanga da ke ngono pene die pa die walte ka po ka pene ka 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 hula manam nanga pulu yi de ka pa ne ka tna ngono a te ngono yi yi ka tezu donc yi ka bon mo ka ka kany na bukpo po cette fois-ci ka vote ne ba ni apol e gwolo e pata ka guye e ka gwolo e nyane ka guye ngole wo kala ga mo ka ya kati donc la famille donnez-nous la main, c'est l'union qui fait la force. Choisissons quelqu'un de bon. Pas quelqu'un qui peut venir nous détruire encore de plus. Ouvrez vos yeux cette fois-ci. Ce soir, vous avez un rabbi qui est assis. Vous avez un rabbi qui est assis. Vous avez 10 millions de dollars à ce ira. Namu hali kike ça va pas te faire un mois abranyo wola mané moura voter mirinara noma amoura bori ya la mube hali muwama akanyo wama me ha ya kolo wali a wali ma afany ndira hali muama na migi wome hana kulu awali mane afanyira wala ni lu manena iga wali paske na wali asende so mane yira tina na dangi kobi kanyira ra kobrira donc wono mane wuga na parti mato nege fama e PS nyari tungu et sa bâton qui la Guinée bâton n'a pas bougé ma l'oreille l'oro ana mou bougé ma ana place qui moua mana roma moua mana ou non mané ou voté n'a pas femme à pièce fanny souira à la coji gi bâton rabouzé à rayareto la Guinée rabouzé à rayareto nanara donc s'il vous plaît. Moi, je serai là chaque matin pour vous dire. Parce que je ne veux pas qu'on donne le temps à des personnes qui ne veulent pas que le pays là bouge. Des personnes qui sont là pour leur intérêt. Il faut qu'on les mette à l'écart. Qu'on fait avec des personnes qui sont là pour ce pays. Qui veulent vraiment le bonheur de ce pays-là. Même si c'est ton frère de sang, si tu sais qu'il ne peut pas travailler là, c'est quelqu'un qui profite là, il faut lui mettre à l'écart. C'est ça qui est la vérité. Qu'on arrête de suivre le chemin qui nous a mis en retard. Ça ne va rien vous donner. Ils sont là comme ça, là, ils ont promis des choses là, ils ne vont pas vous faire. Ils ne vont pas vous faire. Ils sont préparés avec l'argent là. Et ce n'est pas ça qui va préparer l'avenir de vos enfants demain. Ce n'est pas ça aussi qui va préparer votre avenir. Donc c'est ça la famille. Le message qui était là pour vous dire, donnez-nous la main, c'est l'union qui fait la force. Je ne sais pas pourquoi. Donc c'est ça la famille. C'est l'union qui fait la force. Je vais vous laisser. Je rentre. C'est moi. Tout ce que je peux vous dire matin, midi, soir, donnez-nous la main. C'est l'union qui fait la force. C'est l'union qui fait la force. Donc, c'est ça. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu bénisse les enfants de la Guinée.